rassemble Contrairement à son premier déplacement à Grand Bassam au mois de novembre de l'année dernière et qui avait un but purement funéraire, la première dame était allée présenter sa compassion à la famille du député-maire Jean-Michel Moulot, décédé accidentellement. Ce deuxième déplacement de Dominique Ouattara à Grand Bassam ce jeudi 22 mars s'inscrivait cette fois dans un but heureux. La fondation Children of Africa venait faire un important don aux enfants de cette commune. Reconnaissante à leur généreuse donatrice, les populations, au premier rang desquelles les enfants présents en grand nombre, les autorités administratives, les autorités coutumières, les cadres, lui ont réservé un accueil à la fois digne de son rang de première dame. En signe d'honneur et d'affection, l'autorité coutumière incarnée par le roi Nana Amontanoé l'a intronisée reine-mère de Grand Bassam avec pour surnom Yaba. Sur la place du Carrefour Jeunesse, où devait avoir lieu la cérémonie de remise de dons offerte par sa fondation, la présidente fondatrice de Children of Africa a eu droit encore à plusieurs autres marques d'affection et de considération de la part des enfants, de la part du conseil municipal, de la part de l'administration éducative, de la part des mamans. Ce sont d'importants dons que la fondation Children of Africa est venue apporter à Grand Bassam. Au nombre de ces dons, il y a tout d'abord le bibliobus de la fondation qui restera mobilisé pendant plus de 3 mois dans la commune de Grand Bassam pour permettre aux enfants de développer le goût de la lecture et de s'initier à l'informatique selon le vœu cher à la présidente fondatrice. Le bibliobus est un bus aménagé en bibliothèque pour permettre aux enfants de toutes conditions sociales d'accéder gratuitement d'agréables moments de culture. Il ira à la rencontre des enfants dans les différents quartiers de l'Impérial, France, Banné, Modeste, Azuretti, Vitré 1 et Vitré 2 et Modoukou. Le bibliobus est équipé de 2500 livres de distraction, d'ordinateurs connectés à Internet pour initier nos enfants à l'informatique. En plus de cette contribution à l'instruction des enfants, la Fondation a offert 7 ordinateurs et 7 imprimantes pour les administrations d'enseignement, du matériel didactique et des équipements sportifs pour les écoles, des vivres en grande quantité pour les 13 cantines scolaires de la commune, un car de transport de 22 places, des lits et matelas, du matériel électroménager, des couverts de table, des vivres pour l'orphelinat des jeunes filles. Ce sont 80 millions de francs en dons que Dominique Ouattara et sa fondation ont ainsi généreusement offert à Grand Bassam.